Ok, maintenant on va attaquer le cas... comment il s'appelle là, le connard? Manfield. Ouais, ex-journaliste. Ouais, on veut savoir tout ce qui s'est passé. En quel honneur tu fais un article sur la BCSO alors qu'on n'avait pas de problème avec eux? Pourquoi t'as mis une photo truquée? Pourquoi t'as raconté tout ce bobard? Aucun bobard. Ouais, donc... Bah je m'explique ou pas? Bah ouais. En gros, j'ai le père de... Gino, je crois. Le Salazar Gambeorlean, qui est venu me parler. Don Salazar, ouais. Voilà. Et il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, je voudrais que vous écriviez un article à mon nom, nanana. Donc je l'ai écrit, le fameux article où je mets en cause le shérif en parlant de du kidnapping et qu'ils ont pas été appelés avec la photo du mec poignardé. Ouais. Donc j'ai fait ça. Donc là, il m'en doit une à propos de celle-là. Or, il m'avait mal informé, mais j'ai eu contact avec la personne qui s'est fait kidnapper en question. Lui, il m'a certifié qu'il avait tenté d'appeler le BCSO, mais le gouvernement n'avait pas mis en route le numéro du BCSO. Donc lui, en appelant le BCSO, il est tombé sur le SPD. Le SPD n'a pas fait le nécessaire, enfin bref. Ensuite, vous voyez, avec Manu et Jelali, pour la photo truquée, c'est eux qui ont voulu que je la poste. Non mais attends. Les gars, depuis quand vous prenez des décisions qui met tout le groupe dans la merde là? Bah déjà, quel groupe? Les gars, on a pas eu de réunion depuis... combien de temps? Parce que je me rappelle, Emmanuel et Jelali, c'est pas eux qui décident de qu'est-ce qu'on fait. Bah bien sûr, mais dans tous les cas, j'ai jamais parlé en nom du Rainbow là. Bah si. Ça fout tout le monde en merde au final. Bah parce que tu mets tout le groupe dans la merde là. En quel cas? En quel cas? Tu le fais exprès ou quoi? Bah vas-y, dis. Dans la merde. Bah oui, parce que moi je reviens du shérif. Ouais. Le shérif, donc si la plainte va jusqu'au bout avec la LSPD, tu devras payer beaucoup de dommages et intérêts. Moi, vu que je suis le directeur, si l'article a été publié, c'est que je l'ai validé, donc c'est que je cautionne. Donc l'entreprise devra payer aussi. Et en plus, soit tu seras mis à pied, soit je serai mis à pied, soit on y passe tous les deux. Donc moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc j'ai dit au shérif comment on s'arrange. T'es viré, t'es mis à pied et un peu mis à pied de quoi d'excuses et il enlèvera sa putain, mais branche ton cerveau. Lui, c'est notre frère. Bah, d'accord. Si tu virais, je suis pris à pied. Réfléchissez deux minutes. Mais non, mais si tu nous mets dans la merde, si tu mets lui dans la merde et que tu nous mets le BCSO à dos, parce que là, ils vont être sur tes côtes. T'es con ou tu le fais exprès, putain? Bah ouais. Et du coup, alors arrête d'être stupide. Donc tu mets le groupe dans la merde. Le mec que tu parlais tout à l'heure, Johnson, là, le raptor, là. Ouais, le dinosaure. Ouais, le dinosaure, là. Je l'ai croisé au Comico. Et il m'a confondu avec toi, il te cherche. Hein. Il y a des mecs du Nord, ils veulent te démonter, Manfield. Bah, qu'ils viennent. Oula, ils descendent pas ici, donc. Donc, en gros, c'est soit j'arrondis les angles, je te vire. Là, tu dis de la merde. Je fais un article d'excuses et on n'a rien à payer, ni toi, ni moi. Et hop, on oublie tout sous le soleil de Mexico et on repart. Ou alors l'enquête de la LSPD, elle va jusqu'au bout. En sachant qu'ils ont déjà prouvé que la photo était truquée. Alors, oui. Donc, c'est une diffamation et là, ça peut aller très très loin. Oh, il est pas là. Mais tu sautes, je saute pour le moment. Mais oui, il y a personne ce soir, bordel. Viens-moi, ils seront là, mon pote. Oui, mais en attendant, j'ai eu la confirmation que c'est pas nous pour le deuxième article. T'en penses quoi, la personne est en train de me dire en face que c'est votre père qui a demandé l'article. C'est qui, Jonathan, que vous avez en face? Ouais. J'ai les mails, hein. Mais what? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jonathan me confirme et il a les mails. Apparemment, c'est votre père, Don Salazar de la Viego, qui lui a demandé de publier un article sur la BCSO, en son nom. Okay. Apparemment, en son nom, il a peut-être des trucs qu'il a pas compris. Mais... Ok, je vois ça avec eux, je vais tirer ça au clair. Tiens, tu me tiens au courant quand Tu me... Ok. Reprenez, messieurs, désolé. Non, mais du coup, tu le viens. Du coup, en quel honneur tu prends des décisions sans en parler à notre chef? Bah, déjà, j'ai pas pris de décision. Après, c'est moi qui me mets dans la merde tout seul. Et dans tout cas, j'aurais pris les conséquences. Non, tu me mets pas dans la merde tout seul parce que ton Jameson. Patron, c'est qui? C'est Jameson, mais Jameson n'est pas là, donc faut bien que je fasse les recrutements et tout ça. Non, mais les recrutements, sans branle, c'est pas ce qu'on te reproche en fait. Ce qu'on te reproche, c'est qu'il y a deux personnes qui viennent te voir qui te demandent de publier un article compromettant contre la BCSO, alors que nous on a aucun putain de problème avec la BCSO. Et ça, t'es ni passé par ton directeur alors que t'aurais pu lui envoyer un mail, ni par le chef alors qu'il était là. Bah, c'est vrai, ouais. Donc, messieurs, moi on fait quoi? Bah, déjà, Jameson va te virer. Ensuite, il y a l'article d'excuses qui va sortir. Et tu vas aller les voir directement et tu vas t'excuser aussi. Voilà, comme ça on fait tout. Ok. Oula. Parce que moi, le shérif, il m'a dit, face to face, comme on dit, que il voulait absolument travailler étroitement avec moi pour avoir des informations pour différentes enquêtes en cours et pour la suite. Donc bon, ce serait dommage de mal s'entendre avec la BCSO, quoi. Ouais. Donc je vais supprimer l'article. Je vais faire un article d'excuse. Non, même pas. Tu fais un article d'excuse. Hop, dans cet article, tu dis que tu démissionnes. Comme ça, c'est. Je te laisse une petite porte de sortie, toi. Tu pars, toi, la tête haute. Ok, et comme ça, après, le shérif, il est content, il enlève sa plainte, il t'aura pas de thune à débourser, et moi non plus, et tout le monde respire. Attends, par contre, on peut faire un truc.
les Italiens, ils nous doivent un service, un très gros service. On est d'accord. Ah, ils m'en doivent un aussi, hein. Et maintenant, ils doivent. Bah oui, ça, ils doivent un service. Ouais. Donc, tu sais ce que tu vas faire ? Dis-moi. Tu vas faire en sorte, vu que t'es viré et que t'es plus journaliste, tu vas faire en sorte de devenir co-directeur de la raffinerie. Ah. Pour gagner une grosse place, tu vois, ou pas ce que je veux dire ? Et bah, du coup, t'es gagnant là-dedans. Exactement. Ouais, mais raffineur, ça me tente pas, j'étais bien journaliste. De toute façon, t'as pas le choix. Non, mais alors, attends. Ferme ta gueule, attends. Toi, je vais te fumer, toi. Attends. Oula. Calmez-vous, calmez-vous. Tu parles au directeur, quand même, de l'hôpital, hein. Psychiatrique, hein, ok ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Non, bon, écoute, là, tu nous as mis dans une sauce pas possible. La prochaine fois, envoie un email, d'accord, s'il te plaît. Au moins au chef, au directeur. Et sinon, il y a un tableau. Ce qu'on peut faire pour le journalisme, t'es pas obligé de le virer. On le fait changer d'identité. Il poste les articles sous une autre identité. Oui, après, on peut. Mais juste par contre, toi, article, en attendant, tu mets ta queue entre tes jambes, tu vas t'excuser, et ensuite, tu soutires quelque chose. Les Italiens doivent un service sur le coup parce que tu nous as. Au pire des cas, je dis qu'on m'a menacé. Au pire des cas, je vais le voir et je lui dis voilà, on m'a menacé de mort. Et comme ça, on a les Italiens à deux, mais putain, mais t'as d'autres idées cons ou quoi ? C'est pas possible. Et ils vont dire pourquoi tu l'as pas dit avant, Bobors ? Mais dans tous les cas, j'ai jamais dit que c'était les Italiens qui avaient fait l'article. Je l'ai dit à personne à part à toi. Et tu veux dire que c'est qui t'a menacé ? Vas-y. Bah, je vais dire que c'était des hommes qui étaient cagoulés. Qu'est-ce que j'en sais ? Et tu vas t'emmener dans une histoire encore. Écoute, tu fais ce que tu veux. Il y a pas de souci. Par contre, retirez cet article. Tu vas garder. On va faire en sorte qu'il garde poste, d'accord ? Par contre, c'est quoi cette histoire de... Est-ce que Aladdin et Manu, ils ont une histoire là-dedans, là ? Bah, c'est eux qui m'ont demandé de publier l'article. Ouais, mais pourquoi ? C'est quoi la raison ? Question. Bah, c'est le problème. Moi, ils m'ont demandé de foutre dans la merde le shérif. Voilà, tout simplement. Ouais, mais en quel honneur ? Je veux dire, pourquoi ? Non, j'en sais rien, c'est eux qui m'ont aidé à écrire l'article, etc. Et ben la prochaine fois tu le fais pas. En tout cas pas bah, là, ouais, t'as aucun ordre à recevoir de. Voilà. Ouais. Dans tous les cas, je le ferai plus vu que je suis plus journaliste. Donc dans tous les cas. Et t'as compris ce qu'on vient de dire ou pas ? Oui, mais j'avais compris. C'est pas sûr, on a dit. On va aller en aller voir, on vous avait dit. Bon. Mais pour l'article premier, je l'ai envoyé à Jameson. Donc voilà ce qu'on fait. Alors attends, je vais résumer très simple ce qui s'est passé. Il y a eu deux articles. Le premier article, c'est un Don Salazar qui te l'a demandé, le chef des Italiens. Depuis il t'en doit d'une. Le deuxième article, c'est Aladdin et Truc. Manu. Voilà. Manu et eux, ils doivent rien. Tu leur as rien négocié en échange de ça. C'est un service comme ça rendu pour l'État. Bah c'est des potes, je vais pas faire des payer potes. Les potes. Ouais, ah, vous demandez quelque chose, je le fais pour vous aussi. Ouais, bon, mais sauf que nous on passera par le chef si on a besoin de quelque chose. Et lui, il ouais, non, je suis d'accord. Bref, ok, ça tu retires aussi. Vous deux là, Jameson, tu l'accompagnes, ouais. Vous allez au BCSO, vous arrangez toute cette histoire. Je veux plus qu'on ait le BCSO à dos. Et vous ouais, faites bah, en sorte. C'est ce que je vais dire. Et vous faites en sorte qu'il garde sa place de journaliste, ok ? Vas-y. Voilà. On va trouver un subterfuge. Eh, on peut plus aller à l'enterrement de sa grand-mère sans que vous fassiez des conneries. Putain, dorénavant vous passez par le chef, s'il vous plaît, ou vous envoyez un mail au supérieur. C'est des décisions. Moi je pensais lourdes. Que vous étiez mort, hein. C'est des décisions. Je voyais plus, de monsieur. Conséquences. Bah ouais, tu me voyais plus, mais en attendant, c'est pas moi le chef. Que tu me vois ou tu me vois plus, on s'en fout. Mais le non, chef, mais j'ai pas. Moi je l'ai vu une fois hein, depuis mon retour hein, de vacances forcées. Hein. Et ben la prochaine fois, t'envoies des et mails. Et ça remonte il y a deux semaines. Hein. Ouais, mais on a. Il était avec Rosso. Hein. Et ben t'envoies ouais, des je mails. Sais, mais bon. Voilà, ça coûte rien, mais d'accord, toute la ville fait comme ça. Quand il est en ville, t'envoies un petit mail et puis t'auras une réponse. En plus, moi, il a une secrétaire qui répond sous les 24 heures. Elle est très charmante. Elle envoie des... Elle s'appelle comment ? On sait pas, on l'appelle salope. Manu, il est en contact rapproché avec les bikers. Et apparemment, les bikers ne font plus de coke, mais ils ont un petit vendeur de pampan. Et l'Uzi coûte 45 000 et le gun, il coûte un peu moins de 35 000, je crois, de ce qu'il nous a dit. Okay. Et ils prennent 20% pour les armes. Et ton pistolet, voilà exactement ce qu'il nous a dit. Via le PPA ? Ouais, via PPA. Ok, bon bah très bien. Vous avez tous récupéré. Je crois que j'ai la Lille là aussi. Hein. À la frontière. Ouais. Ouais, c'est bon. Jelali en a un aussi, je crois, hein. Pas sûr. Ok. Parkinson, y'a des nouveaux médocs qui viennent de sortir ou la nouvelle pommade, un truc ? Non, c'est toujours la même chose. Bon, allez, vous avez du boulot, vous deux là. Allez, à la BCSO. Allez, viens, on va à la BCSO. Ça, j'ai plus de moto, faut. Tiens, attendez, vous deux, vite fait là. Avec autorisation du chef pendant qu'on est là. Ouais. On peut faire enfin une petite réu. Ouais. Est-ce que ça serait pas le moment de les mettre sur une autre piste ? Les éloigner le plus vite. Ok. Bah la BCSO. Parce que de toute façon ils vont lui demander d'où ça vient, hein, c'est sûr. Ils vont lui demander qui lui a fait ça et d'où ça vient. C'est sûr et certain. Il peut juste dire qu'il a reçu des sources anonymes. Non, mais c'est même pas ça. Non, t'inquiète, j'ai déjà mon plan. Je t'explique après. Ouais, parce que ton plan. En gros, ce que je fais, c'est qu'on m'a menacé à mort. Actuellement, je suis encore menacé, on va dire. Et je demande une garde rapprochée pour l'explication de tous les faits. Et les hommes qui m'ont kidnappé au Story News, ils m'ont menacé, ils ont ma femme en otage et voilà. Et je peux pas, j'ai les mains et les poings liés. Ah ouais, elle est où ta femme là alors ? Bah là, elle est en dehors de la ville. Elle est en otage en dehors de la ville. Hein. Ouais, mais bon, j'ai quand même une femme. Tu penses pas ici, mais elle est quand même. Ah non, mais dans tous les cas, ce que je veux leur faire comprendre, c'est que j'ai les mains et les poings liés. Non, mais tu dis pas que ta femme est en otage. Tu dis au pire, ils veulent tuer ta famille, mais tu dis pas ta femme est en otage. Ok, vas-y, on fait comme ça. Mais non, mais sinon, ils vont faire quoi ? Prise d'otage ? Ils vont tout faire pour savoir où elle est, putain. Jameson, ouais, tu t'es enlevé par derrière.
par les Russes. Ouais, c'est l'histoire. Hein. Moi aussi, hein. Plusieurs fois. Hein. Ouais, bah tu t'es fait enlever par les Russes. Et bah voilà, vous remettez tout sur les Russes, d'accord? Bah, ils ont un accent russe. Voilà. Parce qu'ils avaient des masques. Voilà. Un accent vous... des pays de l'Est. Voilà, nickel. Vous nous dites à la radio quand vous avez fini, s'il vous plaît, quand vous avez fini. Ok, ça okay. marche. A tout à l'heure, les gars. Ouais. A plus. Bon. Bon, moi, je vais peut-être rentrer à l'hôtel, là. Ouais, la tête, juste attends vite fait, bon. Ouais. La tête de dinosaure, là. En fait, si j'ai bien compris, ils sont 5 et ils revendiquent le Nord. Les dinosaures, là okay. Ouais. Like, Non, il y a que lui qui est en tête de dinosaure parce qu'il s'appelle Dino. C'est quoi, c'est Jurassic Park, c'est son nom, hein, sinon. C'est les Munchon. C'est ça? Ouais, c'est ça. Manson. Ouais. Okay. Ils revendiquent le Nord. Ils pensent être les rois du Nord. Une autre nouvelle. La tête de dinosaure, elle veut se présenter en tant que maire quand les élections seront ouvertes. D'accord. À l'écouter, c'est la star de la ville. Apparemment, tout le monde le connaît. Ouais, donc, bah, c'est un Macron. Au lieu d'embarquer. Alors, soit on embarque un flic, soit on embarque lui. Mais lui, à mon avis, on va pas en tirer grand chose. Mais on peut lui mettre un petit coup de pression pour lui montrer qu'il n'est pas tout seul en ville. Il a pas l'air très très affûté. Hein. Ouais, il on pourra s'en occuper un peu plus tard. Mais lui, il est autorisé à porter un masque par contre. Parce que c'est bon, peut-être des dinosaures, sa bouche elle est ouverte. Hein. Ouais, oui. Ouais, mais bon. Bah, tu sais quoi, mets Sailor sur le coup. Tu dis à Sailor qu'il le surveille et qu'il chope plein d'infos sur lui. Ah, c'est pas con, putain. Ok, ça marche. Bah, vas-y, je vais lui envoyer. Putain, je vois pas mal de nouvelles pour prévenir. Et tu lui parles du coup hein, pour rejoindre. Ouais, bien sûr. Bah, il sera à la prochaine réunion alors. Ouais, mais tu lui demandes bien son but et tout ce qu'il veut faire en gros. De toute façon, on sera tous là. Bon, allez, moi je rentre à l'hôtel, j'ai la gorge en feu. Vas-y, ouais, tu prends tes rendez-vous à l'hôpital. Ouais, ça y est là. D'accord. Vous allez bien, monsieur. Allez prendre rendez-vous. Ça va bien, et vous? Ouais. Bah, tu me mets le rendez-vous pour plus tard. T'es dispo là? Ouais, je suis dispo. Je t'envoie des coordonnées maintenant. Ok, bah j'arrive. C'est dans une piscine derrière. Très bien. Et ben voilà. Donc, vous savez ce qui va se passer? On va devoir kidnapper un flic. On va régler 2-3 petits trucs. Et là, ils sont en train de gérer avec le BCSO les petites embrouilles qu'il y a eu. Allez, pause pour radio, je rentre à l'hôtel. Et d'ailleurs, Azur, il y a un homme chauve devant le service taxi qui attend. Ouais, dis donc, j'arrive. Il est en train de boire une bière. Bonjour, monsieur S, ça va? Bien, et vous, monsieur? Allez, à plus tard. Ça va. Toujours aussi solitaire dans cette ville? Ouais, un peu. Bon, ça fait 3 semaines que je suis pas venu par ici. Donc là, je reviens maintenant, cette fois-ci, c'est décidé. On va t'intégrer dans le groupe, suite à ce qu'on s'était dit la dernière fois. Donc, je te convierai à la prochaine réunion. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, tu devras répondre à quelques questions quand même. C'est-à-dire? Tes réelles intentions, pourquoi tu veux nous rejoindre, etc., etc. Ouais. Voilà, un classique, hein, tu vois, tu te doutes bien que c'est pas non plus Leader Price, hein. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, on sait jamais. En attendant la prochaine réunion, donc je t'enverrai un message. Surveille un mec avec une tête de dinosaure, s'il te plaît. Il se fait appeler Dino. Ouais, je le connais, ouais. Voilà, tu le surveilles, et un va lui tomber dessus. Ah bah, oui, allô. Oui, allô. Oui, c'était pour vous confirmer, le deuxième article, il vient pas de nous, et Jonathan m'a confirmé que ça venait de sa propre initiative. Hein. Ouais, mais le premier, il vient bien de vous. On la merde tout seul. Le premier, il vient de nous, oui. Vous devez un service. On n'a rien à voir. On est d'accord. Oui. Ouais, je crois. Vous voulez en venir. Ouais. Mais ça commence à faire beaucoup de services, dis donc. Hein. Oui, ça va. On est pour vous jouer plus, quoi. Il va falloir qu'au bout d'un moment, vous arrêtiez de demander des services aussi, quand même. Ah oui, entre amis, on peut bien se rendre service. Mais bien sûr qu'on peut se rendre service. Ah oui. Ça me met dans l'embarras, tout ça. Le pauvre petit bien, Jonathan qui n'a rien demandé. Mais il s'est foutu dans la merde, ce con. Lequel? Jonathan. Non, mais ça va être réglé, oui, on sait bien, t'inquiète pas. C'est oui, juste il m'a savoir si vous étiez bien extérieur à la suite. Je te fais des bisous, et puis je vous dis à très vite. Moi, bisous. Allez, bisous. Ah, excusez-moi, monsieur S. Ouais, donc, la tête de Dino, là. Ouais. Il dit revendiquer tout le Nord, juste, tu le surveilles, t'essayes d'apprendre un max de trucs sur eux, tranquillement. Voilà, t'évites de tomber dans le panneau. Tu fais les choses bien et de loin, comme d'habitude, ça roule. Ça roule. Je connais quelqu'un qui a mis avec eux, on va dire. Voilà. T'essayes de savoir s'ils ont des dossiers aussi, à la LSPD ou autre. Je veux tout savoir sur eux le jour où on va leur tomber dessus. Pour l'instant, on va rien faire. Hein. Attention, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Mais si jamais on doit leur tomber dessus, je veux tout savoir. Ok, pas de problème. Parce qu'ils ont l'air d'avoir un sacré ego, ceux-là. Ah oui, j'ai déjà parlé avec lui. Ils ont un certain problème. Ils sont assez racistes. Ouais, ils sont surtout un peu débiles. Et limités intellectuellement. Oui, aussi. Bon, super. Ben, merci à toi, Sailor. Prochaine réunion, on te convie, d'accord? Et on te donnera la radio à l'issue de cette réunion. Et j'avais 2-3 trucs à te demander aussi avant. Ouais, dis-moi. 74, j'ai vu la photo dans les news. Ouais. C'est votre œuvre, ça? De quoi? C'est votre œuvre. C'est notre œuvre? Non, c'est pas mon œuvre. J'ai été pris en otage, donc j'ai été témoin de la scène, mais c'était pas moi. Ah, d'accord. Et c'était les qui Italiens. Ah, les... ah, oui, bah. Pour parler des Italiens aussi, Vito et Gino, c'est ceux à la tête du groupe. Enfin, ils ont un groupe mafioso maintenant. Ouais, c'est ça. Et ils ont un père aussi maintenant.
Don, c'est ça? Don Salazar, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, j'ai les bonnes infos alors, c'est déjà ça. C'est qui te les a donné ces infos? Ouais, c'est un contact, je peux pas trop vous dire pour l'instant. La ouais, limite, mais je vous dirai. Tu nous dises quand même. Hein. Ouais, je vous dirai à la réunion certainement. Okay. Mais pour l'instant, je préfère le garder anonyme. Très bien. Et on va soulever un flic, mais bon. Encore? On a toujours pas soulevé le flic? Ah oui, c'est vrai. Ça va être un peu une première. Donc équipe-toi, PPA, armes, ce qu'il faut. Et bientôt, ça va repartir comme en 40. Ok, moi ça me va. Et les vendeurs d'armes illégales, vous savez? Et non, et toi, tu sais ou pas? Non, j'ai 2-3 points, mais ceux-là, pas trouvé. D'accord. Je connais quelqu'un qui connaît. Donc, on en parlera à la réunion quand on sera tous, ok? Ok, ça me va. Allez, bah, je te souhaite une bonne soirée, je vais bosser un peu, et je te dis à bientôt. D'accord, bah à bientôt. Bon, tu vois, on reprend petit à petit nos repères, puis ça va dézinguer. On attend des nouvelles de Jameson et de Manfield. En fait, ils ont pas, pour le coup, j'ai pas compris en fait. Parce que mettre un article compromettant, qu'on soit là, en ville ou pas, tu ne le fais pas. Si tu mets tout le groupe dans la merde, c'est débile. Je veux dire, même RP parlant, tu vas pas mettre ton groupe dans la merde sous prétexte que tes potes se connectent pas. Les gars, si je me suis pas connecté, c'est juste que quand je venais, on atteignait un nombre critique sur le serveur et le port se fermait. C'est pour ça, je suis pas venu parce que j'avais pas envie d'RP. C'est brancher vos cerveaux. Et Manu et Aladdin le savaient aussi. Donc c'est là où ils ont fait la bêtise. Pas d'excès de confiance, faut pas faire de trucs sans. T'envoies un mail à Mo, tu lui dis ouais, est-ce que c'est possible, ça se fait pas. Et voilà, ils décident. Mais c'est d'office Mo, c'est sûr qu'il n'allait jamais approuver. C'est sûr. Parce que c'est débile. Ça nous met le BCSO à dos. On n'a pas de problème contre le BCS. Au contraire, plus on a de bonnes relations avec les flics, plus on va pouvoir leur mettre à l'envers. C'est le projet. Donc c'est pas intelligent. Le move est zéro intelligent, vraiment, pour le coup. Même si c'était drôle, c'est drôle par contre. Mais là, en fait, ça donne une victoire au BCSO pour rire, en fait. Encore vous? Bah oui, c'est chez moi ici, hein. Bonjour, messieurs. Oui, non, mais, bonjour, merci. On vous a roulé un petit peu vite avec la moto, hein. Marche bien là, comment? Bon, non, j'étais aux limites, hein. Après, vous savez, avec le. On vous a vu un petit peu sur le. Ouais, mais on vous a vu un peu sur le trottoir, après, c'est peut-être différent. Mais... D'accord. Okay, je pense pas, mais je ferai attention la prochaine fois, c'est promis, messieurs. Ouais. Surtout qu'avec la pluie, ça peut devenir clissant et après, c'est peut-être. Après, le trottoir, c'est peut-être. J'ai déjà failli mourir bien plus d'une fois. Ah oui? C'est peut-être nos lentilles, hein, après le trottoir. C'est possible. Moi, en tout cas, je me suis pas vu dessus, messieurs, mais bon, je ferai attention. Pas de soucis, au revoir. Bonne journée. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bien, vous? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Je m'excuse de vous déranger, je suis simplement à la recherche du travail et je viens faire une candidature spontanée, si toutefois il y a un responsable dans le coin. Pour l'instant, non, mais je vous invite à repasser plus tard, sinon allez à la raffinerie, je pense qu'ils recherchent. Ouais, d'accord, ok. Voilà, je vous dis au cas où, hein, pour vous aider. Hein. Bien sûr. Mo n'est pas là et c'est lui qui s'occupe des candidatures. D'accord, et vous savez peut-être quand est-ce qu'il pourrait susceptible d'en venir? Ouais, il a mal à la gorge, il devrait passer demain. Ah, un petit coup de l'isopane, d'accord. Est-ce que éventuellement pour l'embêter ou même d'attendre, est-ce que vous avez peut-être un mail pour que je puisse envoyer un email à Moventeng. Ok, ça marche. Eh ben merci beaucoup. Discord.gg, je suppose. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Eh ben, je vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie. Bonne soirée. Les Italiens. À travers Don, ont demandé cet article. Vendredi 25 octobre, la BCSO fait-il correctement son travail? Ce jour, nous avons reçu le témoignage anonyme d'une personne racontant qu'un citoyen a été kidnappé. Ce citoyen en question a eu le droit d'appeler le shérif pour lui demander, je cite, combien sa vie coûtait. Le shérif n'a pas pris la réclamation au sérieux, un citoyen s'est donc retrouvé poignardé par ses ravisseurs. Est-il mort? Je n'ai malheureusement aucune information, mais que fait le shérif? Donc là déjà, il porte des accusations. Le shérif laisse-t-il ses citoyens en péril? Une photo spoiler est disponible, absensible, s'abstenir. On s'en serait laissé là, c'était pas mal. Le problème, c'est que, et en fait, quand tu fais le lien avec tout ça, ça a plus de sens. C'est pour ça qu'en fait, Jameson s'est fait menacer, finalement. Le problème, donc là, il y a eu un tox hein, qui ont été dit et tout, donc il en a déjà pris plein la gueule. Le problème, c'est que deux jours après, donc vendredi, trois jours après pour le coup, dimanche, là, c'est plus les Italiens qui lui ont demandé, c'est pour ça qu'il y a eu une accumulation sur le shérif. Et là, ils lui ont dit, ouais, gros, dépanne-nous, enfin, si j'ai bien compris le truc, mets cette photo montage et fais une histoire. C'est ce qui a fait l'accumulation et c'est ce qui fait que ça nous met dans une sauce pas possible. Donc, il a fait, en gros, Même si c'est très drôle, c'est pas le problème, vraiment, l'idée est très bonne, tu vois. Regardez, ça c'est la photo montage où on voit le shérif et genre on voit des filles de joie, d'accord. Et genre il a pris de la cocaïne. Ah, c'est Monsieur Galagan. Ah putain, c'est... Ah putain, désolé. Ah ouais, d'accord. Non, mais vous m'avez fait peur. Oh, je suis surpris.
Ah, carrément. Moi, je... Attendez, monsieur, je suis en pleine réflexion dans mon crâne, laissez-moi tranquille. Et voilà pourquoi ça a mis, en fait, dans une sauce. En gros, là, sur le coup, c'est Jameson qui a été menacé. Si Jameson a été menacé, ça met dans la sauce tout le groupe, évidemment. Le move est drôle, mais n'est pas bon pour le coup. En tout cas, le timing n'est pas bon. Voilà pourquoi ça nous met dans une merde un peu, entre guillemets, pas possible et que c'était pas fou. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir rectifier ça. Alors, ils vont au commissariat retirer l'article, faire genre il a été menacé et tout. Mais voilà. C'est pas grand chose, mais il va falloir rectifier les petits trucs. Donc, j'attends des nouvelles à la radio pour voir ce que ça va donner. Ok, j'ai 4007, donc je vais mettre 4007 en banque. Non, 4600, je vais mettre en banque. Alors, donc j'ai dit deposit. Hop, 4600. Ouais, let's go. Bah, je vais pouvoir m'acheter mon arme. On va voir vite fait combien ça coûte à la Munition. Histoire de revenir un peu sur des bonnes bases. En plus, j'ai pas pu parler à Don Salazar. Il est pas là ce soir. Il y a Gino, mais il y a pas Vito. Donc, c'est un petit peu complicado. Et les gars du Nord, hein. En vrai, putain, j'ai envie de me les faire. J'ai envie de me les faire, les mecs du Nord. Hein. Alors, oh, bim, 15 000. Hop, je reviendrai, hein. Allez, salut, mon pote. Et ben on va attendre. Ah ouais, cher. Oui, ça tout a augmenté. Hein. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur McGonagall. Comment vous allez? Ben, ça va très bien, et vous, monsieur le commandant? Ça va, ça va. Dites voir, le capitaine, il est là ou pas? Pas de capitaine. Vous avez pas de capitaine? Négatif, pas encore. D'accord. Et vous en aurez un bientôt ou... Oui, je pense. Si les agents continuent à évoluer. Ok, très bien. Bon, bah, je reviendrai à ce moment-là. Faites gaffe derrière vous, il y a quelqu'un qui va vous assassiner sûrement. Ah, très bien. Pourquoi vous voulez voir le capitaine? Bah, non, je voulais faire sa connaissance parce que je me demandais s'il y avait un capitaine, justement. Ah, non, bah, non. D'accord, très bien. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Très bien, et vous? Ça va très bien. Bon, bah, je vous laisse tranquille, messieurs, passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonjour, monsieur. Ah, bonsoir. Vous allez bien? Bah, écoutez, jusqu'à maintenant, très bien, vous? Ah, bah, ça va très bien. Elle est belle, cette voiture? Ah, ouais, elle est belle, en effet, ouais. Vous vouliez la prendre en photo? Non, je voulais prendre la plaque. Ah, pourquoi? Oh, comme ça, je collectionne des plaques. Vous collectionnez les plaques? Exactement. Ah, vous venez d'où, monsieur? Moi, je viens de là-bas. Ah ouais, c'est où là-bas? C'est là-bas. D'accord. Vous voulez vous appeler? Moi, je m'appelle Rick. Rick? Ouais, et vous? Je m'appelle McGillagan, monsieur. Ah, c'est très joli comme nom, ça. Merci, ça fait plaisir. Et vous traînez où là-bas, comme ça? Comment ça? Bah, là-haut, là. Vous m'avez dit que vous veniez de là-bas? C'est ça, ouais. Bah, y'a quoi là-bas? Alors là-bas, y'a une boulangerie, un Carrefour, un H&M, enfin y'a plein de trucs. D'accord, et vous êtes tout seul là-bas ou plusieurs? Non, je suis tout seul. Vous êtes tout seul et vous prenez en photo des plaques, c'est ça? Exactement. D'accord. Et vous en faites quoi de ces photos? Ah, je les collectionne, je les mets dans mon album. D'accord, vous pouvez montrer votre album s'il vous plaît? Oh, bien sûr, si vous voulez, hein. Alors, hop. Non, parce que c'est quand même une collection un peu spéciale. Alors, attendez, approchez-vous. Et vous avez écrit quoi à côté de la plaque d'immatriculation, là, la phrase, là? Voilà. Ouais. Et alors, pourquoi vous prenez toutes ces photos? Enfin, une collection de plaques d'immatriculation, ça existe pas, monsieur? Ah, ouais, c'est mon petit. On a juste une petite passion, hein. C'est ma passion. Ouais, mais vous êtes sûr que c'est une passion bien légale? Enfin, moi, je sais pas, je suis pas de la police, hein, je vous rassure, hein. Pourquoi ce serait pas légal? Bah, je sais pas, vous voulez qu'on demande aux agents juste à côté ou pas? Oula. Allez, allez-y. Petit problème. D'accord, bah venez avec moi s'il vous plaît. Allez, moi, je sais pas, Dommage, je vais lui en parler maintenant. Ah, mon commandant, j'ai un petit truc à vous demander vite fait. Oui. Cette personne bureau, adorable. Ou... Vous vous appelez comment, monsieur, déjà? Rick. Rick, c'est ça, voilà. Bic, juste ici à ma gauche, il a une passion un peu hors du commun et je voulais savoir si c'était une passion tout à fait légale. Ça vous dérange pas, monsieur Bic, que je pose la question? Non, c'est Rick. Oui, monsieur Bic, ça vous dérange pas? Non, du tout, non. Ah, et bon, en fait, il prend en photo toutes les plaques d'immatriculation. D'accord. Et pour quoi faire? Ah, c'est pas banal. Ah, bah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère vous demander, parce que moi, quelle ne fut pas ma surprise quand je vois cette personne qui prend en photo ma voiture. Bon. Disons qu'on se retrouve dans une situation plutôt cocasse, là. Ah, c'est plutôt cocasse, effectivement, oui. Il fait peut-être une collection, hein. Il y en a qui font des collections de timbres. Bon. Eh ben, les plaques d'immatriculation. Non, mais les plaques d'immatriculation, souvent, c'est une par état ou une par pays. Ouais. Donc, alors, tout est bon. Y'a pas de soucis? Bah, pas vraiment. D'accord. Eh ben okay. Voilà, c'est parfait. Eh ben voilà, monsieur Bic, vous avez votre réponse. Ça m'embête un peu, même. Hein. Bah, bonne passion à vous, en tout cas, hein, putain. Bah, merci. Attendez, monsieur, on va discuter. Venez. Venez avec moi. Ouais. Prends en photo mon véhicule. Oui, c'est vrai que c'est chelou quand même. Oui, on est d'accord, hein, c'est pas. C'est cocasse. Vous voulez une matraque, peut-être? Ah, je veux bien, pour lui enfoncer dans le cul. Allez, donc. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec plaisir. Excusez-moi, ce mec il s'appelle vraiment Rick au moins? J'en sais rien. Je pense qu'il va lui demander au moins une carte d'identité.
Ouais, parce que sinon il finira s'il au en coffre, a une. Il finira au fond du coffre d'une Punto, je vous le dis. Et ça c'est. On va éviter ça. Il y a pas de menace, hein. Il y a pas de menace. C'est juste qu'il prend photo mon véhicule en fait. Ça devient très embêtant cette histoire. D'ailleurs, il y a deux pourquoi il a pris en photo votre véhicule? Bah parce qu'apparemment il fait une collection de plaques d'immatriculation en photo. Donc bon, j'aimerais savoir. Ah, c'est enfin. Une passion assez bizarre, ouais, effectivement. Voilà. Donc s'il veut pas finir au fin fond d'une cave, va falloir qu'il me. Il doit collectionner les plaques de tous les états. Écoutez, fallait lui imprimer votre plaque d'immatriculation sur le front. Je pense qu'il aurait kiffé. Ouais, mais justement, je veux savoir s'il s'appelle bien Rick, parce que j'y crois moyen ça aussi. Un mec, quand je lui demande d'où il vient, il me dit juste là-bas. C'est un peu du foutage de gueule. Hein. Vous êtes dit là-bas? Ouais. Ah, ouais, effectivement. Moi, je viens de là-bas. Bon, attendez, ah, ouais, je comprends. Dans les prochaines semaines, pourquoi pas? S'il y a de nouvelles places qui s'ouvrent ou. Vous voulez devenir flic? Ah non, non, du tout, non. En prenant en photo les plaques d'immatriculation? Ah non, pas du tout, non, je parlais avec le commandant. Si vous voulez pas du tout être flic, pourquoi vous me posez la question si. Ah, c'est comme ça, pas par hasard. Ah oui, mais la police, c'est pas par hasard qu'on se retrouve dans la police. Ah, mais je m'en doute bien. Ouais, des personnes qui veulent être là par hasard, c'est pas la peine. Ouais, mais lui, il est trop chelou. Ah, mais je sais bien. Monsieur Big, vous êtes bizarre, hein. C'est pas. Bah, après, c'est McGallaghan, il m'a dit qu'il vous a demandé l'autorisation avant de le faire. Ah non, 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 non. Ah bon? Ah bah, ça change maintenant. Non, il était en train de prendre en photo, je suis allé le voir, je lui ai posé des questions, il m'a dit c'est pour ma collection. Eh, monsieur Big, c'est pas bien de moi. Eh, vous avez pris sa carte d'identité, il s'appelle vraiment comme ça ou pas? Oui, je vais le contrôler, le monsieur. Monsieur, entre vous et moi, dites-moi la vérité, s'il vous plaît, pourquoi vous prenez en photo mon véhicule? Pour la collection. Non, quand je vous ai demandé d'où vous venez, vous avez dit juste là-bas. On est d'accord depuis le début, je vous connais pas, vous me connaissez pas, vous foutez un peu de ma gueule. Bah, peut-être que vous me connaissez pas, mais peut-être moi je vous connais. Ah ouais? Et tu me connais d'où? Vas-y, raconte, ça fait 3 semaines que je suis pas venu en ville. J'étais en enterrement de ma grand-mère. Tu le savais ça aussi, tu connais ma grand-mère peut-être. Peut-être, franchement je sais pas. J'ai l'impression que tu te fous bien de ma gueule quand même, hein. Pas du tout, non. Non, moi je crois bien. Bon, c'est quoi ton problème avec les débits? Pourquoi vous prenez des packs d'immatriculation en photo? Bah, je vous l'ai dit, c'est pas comme c'est pour ma collection, enfin, il y a un problème. Mais petit sourire là, au avec votre petit sourire mesquin. Quel sourire. Bon, mon commandant, je vous laisse avec lui, il se fout de ma gueule. Je pense qu'il a jamais vu de chat. Monsieur, entre nous. Tourne-toi, 07. Dites-moi tout, s'il vous plaît, alors. Vous me connaissez d'où? Je vous connais comme ça, par hasard. Vous me connaissez comme ça, par hasard. Et vous, dites-moi, allez, s'il vous plaît, allez. Dites-moi d'où vous me connaissez. Ah, mais je connais pas. Tout va bien se passer. Mais vous venez de dire que vous me connaissez. Vous l'avez dit au policier. Ah, bonjour monsieur. Non, dites-moi, c'est exactement c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit putain? Mon commandant, qu'est-ce qu'il dit putain? Je comprends pas, il vous connaît, il vous connaît pas, il vous connaît. Non, mais contrôlez-le, non, sérieusement, et ce mec-là. Passez-moi une pièce d'identité s'il vous plaît monsieur. Et rangez votre téléphone. Ah, hein, ouais, c'est très bien. Parce que vous savez ce que vous allez faire monsieur Devlin? Ouais, dites-moi. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez arrêter de prendre les plaques d'immatriculation en photo pour votre collection. Monsieur Devlin? Ouais, ça sera mieux pour vous, je pense. Parce que là, vous avez de la chance, on était là. Mais je pense que vous faites ça à un autre gars, un mec de quartier ou n'importe qui, un mec assez chaud. Ah, oui, justement, je viens de quartier, donc. C'est pas parce que vous venez de quartier que vous pouvez prendre les voitures en photo. C'est pas ce que j'ai dit en fait. Ouais, non, non, mais je vous le dis juste. Si un jour vous faites ça un peu plus loin et qu'il n'y a pas d'agent de l'ordre qui est présent, je pense que les photos, il va vous les faire manger, le gars. Je vous l'ai dit personnellement, vous faites ça à moi hors service. Vous prenez la voiture en photo et je risque juste de mal prendre, très mal le prendre. Non, c'est validé, écoutez. Tenez, je vois votre carte d'identité. Merci bien. Et vous pouvez circuler. Eh ben merci. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Eh ben c'est vrai, c'est. Prise, transport, nourriture. Ouais. Voilà, okay. Expliquez-moi ce qui se passe, dites-moi s'il vous plaît. Comment ça? On va pas tourner autour du pot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez pris la voiture en photo? Je l'ai dit, c'est pas vous, collection. Non, allez, on va arrêter de tourner. Vous venez de quel quartier? Comment ça, quel quartier? Vous venez de quel quartier? Vous venez bien d'un quartier? Exactement, ouais. Bah voilà, vous venez de quel quartier? De Grove Street. Ouais. Vous êtes dans un gang ou pas? Ah ça, c'est la question que tout le monde te pose là. Non, c'est la question que je vous pose. Aussi ouais. Voilà. C'est bizarre, mais les gangs d'habitude, ils sont fiers de dire qu'ils sont dans un gang. Non, je viens pas de gang moi. Monsieur, allez, répondez honnêtement, vous êtes dans quel gang? Ouais, mais je viens d'aucun gang en fait. Vous venez dans quel gang? Ok. Et c'est quoi ton nom? C'est Eric comment? Devlin. Des quoi? Devlin. Devlin. Exactement. Et je vous sens bien distrait en tout cas, monsieur Rick Devenir. Ah bon? Ouais. Bon, vous avez un problème contre moi, oui ou non? Non, du tout, non. Très bien. Bon, on va éviter de prendre mon véhicule en photo la prochaine fois. J'ai essayé, bah. Et vous avez un souci, vous tournez sous drogue ou quoi? Non, mais entre nous, dites-moi, vous avez un vendeur, vous êtes sous quelle drogue? Aucune. Aucune? Vous êtes sûr? Ouais, certain. Un petit peu de C, non? Même pas? Non, j'ai pris un thé là avant de venir, c'est tout. Juste un thé? Ouais, un peu de. Ah, une lettre près? Non, du tout, non. Ouais. Et t'as pas bu d'alcool? Quoi? T'as pas bu d'alcool? Non. Bon allez, passe une bonne journée. Ouais, toi aussi. Ouais, radio, des nouvelles. Ok, merci monsieur le shérif. Hein. Bon, on va directement à la SPD, on fait ça tout de suite. Ok, merci de votre compréhension. Hein. Au revoir. J'ai envie de l'enculer quand même. On fuchsia pour adjoint, on va aller à la SPD. Ok, alors ça s'est passé comment? Nickel. Et on se fait même escorter par le shérif jusqu'à la SPD là. Ok.
Il y a un mec bizarre là devant la LSPD là. Ouais, on arrive. Ok. Le temps de faire la route. J'ai envie de le renverser, la vie de ma mère que j'ai envie de le renverser. On n'a pas le droit hein, mais... j'ai envie de le démolir. Il a trop fait... Il fait trop le malin. Bon, on va attendre les frérots là, voir ce qui se passe. Je vais le mettre dans la liste de ceux qu'il faut... On va l'embarquer, je pense. Je pense qu'on va l'embarquer, on va le prendre en taufe et on va voir. Il vous fallait quelque chose, monsieur ? Non, j'attends le shérif. Ah, le shérif. Le fameux shérif. Ah, vous le connaissez ? Ah oui, le shérif. Ah bah écoutez, avec l'article... Fou ! Ah, alors, il s'est passé quoi, justement, à ce sujet-là ? Le fameux. A priori, on l'aurait retrouvé avec des femmes de joie, quoi. D'accord, et vous y croyez ou... Bah écoutez, bah vous savez, dans le nord, je pas trop. Ouais, je me suis déjà tombé sur eux quelques fois là, à l'usine d'abatteur. Bon, c'est la chance qu'il y ait du monde 77. Et vous alors, vous travaillez dans quoi? Je crois que monsieur est taxi. Exactement. Directeur de service taxi. La tenue qui me parle. Ah ouais, désolé, moi j'ai pas beaucoup plus de taxi, je préfère marcher. Ah, vous marchez, ouais. Oui, ça fait beaucoup de sport. Et vous marchez des longues distances? Ah oui, je marche beaucoup, hein, beaucoup. Vous savez, là-bas dans mon pays, je faisais aller-retour pour aller chercher le pain à 10 km. Ah, 10 km pour une baguette de pain? Ah oui, sous la neige. Mais devait être sec votre baguette au retour, non? Ah non, vous inquiétez pas, je la mettais dans le droit. Avec la pluie, je dirais qu'en ce moment, elle est plutôt bien trempée. Et vous le mettiez où alors? Ah, vous savez, là-bas, c'est de la vie. Faut savoir impressionner demoiselle, hein. D'accord. Mais parce que... et donc? Ah bah, donc je vous laisse deviner ce que vous voulez, hein. D'accord, ok. Je vois ici. Mais non, j'aime bien les petites blagues. Ouais, vous êtes où, là? Ouais, ça va, Johnson? Ouais, ça va, et toi, Jameson? Ouais, on est sur la route, là. On est escorté par la BCSO, là. Bah, vous êtes bientôt là? On est à un petit 8 km, là. 8 km, putain, mais vous avez fait 300 mètres ou quoi depuis que je t'ai appelé? Je rappelle qu'on est suivi par la BCSO, donc on respecte les codes de la route. Oh, mais non, mais c'est bon, ouais. Un petit coup d'accélération. Il y a des gens qui nous attendent devant le commissariat. Il y a des gens qui nous attendent? Un russe. Enfin, il vient de Slidavi, là. Ouais, un pays de mort, quoi. Apparemment, un certain Mainfield lui aurait fait passer un entretien. Ah, c'est Alexei. Okay, vous êtes Alexei, monsieur? Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est Alexei. Alexei, ouais, bah, c'est oui, le voilà, non, mais Alexei, y a pas de soucis. Alexei. Bah, on est là. Pas mal, celle-là. Ah, puis il m'a saoulé. Bon, allez. Bon, c'est bon, bah, ils arrivent. Ah, parfait, ça. Et vous, monsieur, vous faites quoi en ce moment, en ville? Pour le moment, je suis abatteur. Vous abattez? C'est ça. Oui, tu as la gage, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Hein? Puis j'ai la dégaine maintenant. Oui, abatteur de poulet. Ah, pas les mêmes poulets, hein. Attendez, hein, parce que dans sa ville de mort, ses poulets, ça doit être des chevaux. Hein. Bah, non, ils ont 8 pattes, hein. Ah bah écoutez, vous savez, avec radiation, hein, beaucoup de choses être différents là-bas, hein. Putain, il y a Fouini. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est qui, lui, Fouini Babe? T'as un taré de chez nous. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est pas vraiment compliment. Non, pas vraiment. Ah ouais, ouais. Son véhicule, il vient pas de se faire péter, là? Ah oui. Attends, mais il vient de se passer quoi, là? Et il est pas en train de péter un véhicule, là? Oh, bordel, qu'est-ce qui se passe devant commissariat? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais il s'est fait enlever son véhicule lui aussi là. Ouais, j'ai l'impression là. Je la garde, pas de panique. Oh putain! Oh monsieur, attention, s'il vous plaît, bordel. Alexei, vous allez bien, monsieur, putain? Alexei, ça va? Mais vous avez l'habitude de vous prendre dessus là-bas, putain. Monsieur, j'ai pas fait ce que... Non, de Dieu! C'est bon, monsieur, vous allez bien? Oh, je suis désolé. Oui, hier, déjà, je me suis pris 2 balles à l'épaule. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. C'est hein. qui vous a mis 2 balles? Fausse police. Gang déguisé en police, vous savez. Attendez, il y a des gangs qui se déguisent en police? Oui, mais vous savez, ils sont en voiture de police. Ils ont tenu police. Oui, on les appelle le BCSO. Oui, non, c'est pas les mêmes. Oui, en fait, j'ai tapé voiture et d'un seul coup, il y a police qui est arrivée et puis... Boum! Ça va aller, votre jambe, monsieur? Ah oui, ça va. J'ai cru que vous aviez roulé dessus, mais ça va. Juste petit choc genou. Vous avez mal ou pas? Ah, j'ai petit bobo, mais bon, j'irai voir l'infirmière là-bas. Ouais, j'ai une petite solution. Écartez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Oula. Vous avez mal où, monsieur? Dites-moi. Genou droit, pourquoi? Genou droit, bougez pas. Hein. Bougez pas, oui. C'est chirurgical. C'est mon cousin qui m'a appris ça. Ah, chirurgical. Voilà, c'est bon. Là, vous avez plus mal au genou droit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez mal à droit. Ah oui, monsieur. Attendez, mais vous savez, dans mon pays, on a un petit truc qu'on appelle. Moi, j'ai pas besoin. Il faut rendre monnaie pièce. Ah ouais, je comprends. Voilà, maintenant. Attends, dans mon pays, on rend la monnaie de sa pièce aussi, hein. Voilà. Ah, c'est bon? C'est bon? Oui. Ah, monnaie c'est pièce bon, rendue ou pas? Oui, là, ça va, là. Ok, c'est bon, c'est bien ce que je pensais. Heureusement que j'ai toujours une paire de chichines sur moi. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour monsieur. On a un homme à terre, je sais pas ce qui lui a... Il est arrivé quoi? C'était un mal à l'estomac ça, non? Ouais, il a sûrement mal à l'estomac. Démangeaison à mâchoire. Ouais, je vois là qu'il cogite un... Monsieur, vous allez bien s'il vous plaît? Oui. Ça va aller. C'est rien monsieur. Vous arrivez quoi monsieur? Ouais, je sais pas, il s'est effondré d'un coup comme s'il avait mal au ventre. Monsieur?
Monsieur, je vous glisse. Voilà, c'est bon. Moi qui ai atteint d'une gastro fulgurante. Ah, c'est possible, hein, ça va vite. Hein. Ah, ouais. Il est là, l'homme que vous cherchez, monsieur. Oui, heureusement, il y a police ici, hein. Non, ne vous inquiétez pas, un mal de ventre, ça passe vite, monsieur. Oui, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Il est là, votre ami Sylvie, messieurs. Tiens, tu vas faire cette affaire là-dedans, toi ? Ouais, vas-y. Ouais, je vais plus te voir, hein. Oula ! Excusez-moi, pourquoi ils ont une voiture verte en policier, eux, alors que là, il y a des voitures noires ? Mais monsieur. Parce que eux, c'est le BCSO. C'est le BCSO, monsieur. C'est quoi, la police du Nord. Et qu'est-ce qu'ils font là ? Bah, ils sont dans Ils nous ont escortés ? Ah, ils les ont escortés, ouais. Ah oui, d'accord, carrément escorte ici. Ouais. Bon, monsieur, vous voulez parler à Jameson ? Tu veux c'est ça ? Ah, voilà, Alex, j'ai un problème avec le véhicule, quelqu'un peut m'aider ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? M'aider à le pousser. Ouais ? Oh là là, vous avez force au cul, hein, vraiment, hein ! À gauche, viens, vas-y. Y'a personne au volant, on va mourir. On va faire des tonneaux. Vas-y, encore un peu. Voilà. Bon, Jameson, est-ce que tu embauches ce monsieur ou pas? Alexei, oui, très bon article. Ah oui, vous avez aimé? Ouais, c'était pas mal. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Non, bah, c'est normal, quand le travail est bien fait, il faut le dire. Ah, Ricardo, j'ai oublié son nom de famille là. Ah oui, Ricardo, Chances, je crois. Un suceur de chorizo ou quoi, putain? Oui, ah, oui, il coffe en basse, lui. Ouais, bah voilà. T'es où? Ouais, je vois. Ah, l'hôpital là. Ok, je vais arriver à me faire soigner là. Ah, ça marche, tu vas voir, il y a plein de petits recrues. Il y a plein de petits quoi? De recrues. Ah, ok, vas-y. Bon, allez, messieurs, je vais me faire soigner. Il y a quelqu'un qui m'a effleuré la joue. Oui, moi aussi, vous inquiétez pas, on se reverra après soignage. Ah, pourquoi? Ah, non, simplement pour échanger technique chirurgicale, vous savez, c'est bien ça aussi. Hein. Vous voulez en savoir plus sur mes techniques? Oui, vraiment, je suis intéressé. Les techniques de l'asile d'Avis sont pas les mêmes. Alexei, vous avez reçu le contrat en PDF sur votre smartphone. Voilà. Oui, monsieur, venez. Qu'est-ce que vous êtes arrivé? Pas grand chose. J'ai pris un petit coup et avec le froid de dehors, ça fait mal. Ah, ouais, je comprends. Vous avez pris ça où? Au visage. Vous pouvez juste enlever vos lunettes, s'il vous plaît, si vous pouvez. Bien sûr. Merci. Vous avez pris un coup de poing? Non, c'était plus une gifle. C'était pas... Ok, ça va. C'était par méga. J'arrive tout de suite. Bon, bah, ça va faire une petite différence de change de température. Parce que là, entre le froid que vous avez eu et le chaud de la crème... Ah, ça fait mal, mais ça fait du bien, putain. Attention, putain. Désolé. Rentrez pas dans la plaie comme ça. Désolé. Je vais vous mettre une compresse pour... cacher un petit peu ça, j'arrive. Vous aurez l'air d'aguerrir comme ça. Avec une belle compresse, un bon pansement derrière, parfait. Ouais, mettez un petit pansement Bob l'éponge. Ah, Bob l'éponge, ah, j'ai plus. J'ai des licornes, j'ai des fées. Ah, mettez les fées, j'ai jamais eu. Ouais, allez, je vais chercher les fées. Voilà, une belle fée. Comment vous sentez? Un deuxième pansement, ça ferait pour être sûr que ça soit bien, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Alors, on va mettre ça. Ouais, on va j'ai mettre pris ça trop cher alors que j'ai pris une claque, gros. C'était une tape amicale au moins. Oui. Ah, mais sans, je pourrais avoir juste votre carte d'identité, s'il vous plaît. Pour le dossier médical, s'il vous plaît. Ah, merci, monsieur. De rien. Eh ben, passez une bonne soirée et évitez de vous frotter les gifles. Il m'attend. Ah, vous aussi. Allez, vas-y, viens, Jameson. Et ben voilà, je crois que. Bah, attends, il est sorti. Bonsoir, 77, messieurs, dames. Bonne soirée, monsieur Dazidania. À la prochaine. J'en peux plus. Il est sorti ou pas l'autre? Bah, il doit faire sa déposition. Du coup, je pense que ça doit être fini bientôt. Donc, viens, résume-moi un peu ce qui s'est passé. Bah, il a expliqué comme on a dit. Ouais. Le shérif, il a gobé tout de A à Z. Ouais. Et il nous a donné une. Gobeuse, ah, bah, je peux dire qu'il était comme ça. Ouais. Et du coup, il nous a même escorté jusqu'ici et tout. Et du coup, en fait, il fait ça à la LSPD. La LSPD va m'envoyer un courrier, un mail, comme quoi j'ai dans l'obligation d'effacer l'article et hop, on n'en parle plus. Et tu vas effacer un seul article ou les deux? Je sais pas, bon, je vais effacer les deux au pire, rien à foutre. Et puis après, hop, blanchi, pas une thune de dépensée, que dalle. Mais j'ai passé un savon quand même à Jonathan, hein, qui refasse sinon, plus ça. T'aurais dû payer combien? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Au vu des rires du shérif, beaucoup. Ouais, mais forcément, diffamation via le BCSO, c'est compliqué. Hein. Putain, mais quel... Ah ouais. Ah tiens, Johnson, le monsieur qui est derrière, là, il s'est proposé, apparemment, c'est un chauffeur hors pair. Ouais, je connais les chauffeurs hors pair, hein. On avait non, mais lui, regarde, il a les gants au cul et tout, il blague pas. On avait un frère beaucoup se prêtement de chauffeur, et pas comme moi. Ah ouais. Eh, vous savez qui me rappelle un peu là? Moi, de loin, je crois que c'était Monsieur Pignol. Ouais, moi, il me rappelle un peu Mo. Ah, attends, fais voir. Il manque le béret. Ah ouais, attends, fais voir son petit. J'ai déjà entendu dire. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, je vous invite à repasser demain soir. Parce que là, pour l'instant. Je suis pas pressé, hein. Voilà, j'ai pas tardé à quitter la ville. Y'a pas de galère. J'ai un truc à faire. Et puis voilà, là, on attend juste quelqu'un. Et puis. Non, mais voilà, comme je disais à Monsieur Jameson tout à l'heure, c'est que si à la base, c'était plus pour le côté information. Après, s'il y a réellement besoin dans d'autres choses, je peux
proposer mes services n'importe où. D'accord, très bien. Bah, on verra ça alors. Vous êtes monsieur ? Monsieur Myers, Jason Myers. D'accord, il a votre numéro ou pas, Jameson ? C'est un pote à Alexei. Je suis ami à Alexei. Ah. Je demanderai à Alexei qui. Voilà, tout à fait. Qui est lui-même un pote à Jean-Michel. Il a rien dans le bide, le Alexei. Hein. Il n'a pas mangé ? Ça, on les voit tous. Il a voulu me tester tout à l'heure. Bon, j'ai rencontré. Très bien, bah donnez-moi. Prenez-moi mon numéro, s'il vous plaît. Vous m'enverrez un message. Dans le plâtre ? Je me suis fait renverser. Ça déchire tout ? Vous avez bien ce qu'il fait ? C'est ça. C'est que dans tous les cas, c'est difficile d'entrer dedans, mais une fois que t'es dedans, ça déchire tout. Mais plus je vous vois, plus vous êtes à poil, c'est pas possible. Bonsoir. Vous m'en foutez quoi pour avoir cette demi-bordel ? Mais c'est compliqué, regardez, j'ai le bras dans le plat, donc je savais pas quoi mettre. Oula. C'est chiant de mettre une veste, etc. Bah, non, mais je veux bien que ça soit chiant, mais là, c'est quand même un petit peu trop, non ? Bah, non, ça va. Non, c'est pas trop. Attention à vous, monsieur, et bonne chose. Merci. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Merde, à pied, carrément. Bon, vous devez. À pied, exactement, on m'a mis un coup de pied, quoi. Monsieur, oh, au revoir, Ashley, bisous. Non, pardon, ça. Bisous. Oh, c'est trop de. Attends, il est à bisous et pas moi. Allez. Bon, allez, raconte-moi tout. Bah, en gros, on a dit que je m'étais fait kidnapper. Vendredi, jeudi soir après les entretiens qu'on a fait avec Jameson. Ok, t'as décrit des gens ou pas ? Ouais, j'ai dit ils étaient 5 avec des accents russes, pas très bien organisés, ouais. Des casques tous habillés pareil et ils avaient un mode opérateur un peu nul à chier. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Bah, sur les malfrats, j'ai pas dit grand chose à part qu'ils m'ont recontacté après par la bande téléphonique à côté du SPD. D'accord, il a tout gobé ? Qui monte ? Bah, j'ai l'impression, ouais. Ok, ensuite. Donc on verra bien. Pour supprimer les articles, comme j'ai dit, si je supprimais les articles, j'étais mis à mort, etc. Donc j'ai contacté, je leur ai dit qu'il faut une injonction pour pouvoir supprimer les articles, sinon, s'ils savent que ça vient de moi, je vais me faire tuer. Vu qu'ils ont menacé aussi le patron, ils ont menacé ma famille, hein. Ouais. On est en danger, il faut nous aider. Okay. Donc ça, ils ont dit, bah, ce sera fait, on va vous mettre en protection le temps de l'enquête, etc. Donc voilà. D'accord. Bon. Pour l'instant, je vais me faire petit le temps de l'enquête, quoi. Ouais, oui. Ah, parce qu'il mène une enquête, là ? Il y a une enquête ouverte sur toi ? Pas encore. Bah, sur moi, oui, c'est déjà ouvert, hein, pour l'article. Et il va y avoir... Oui, mais là, l'enquête... Attends, il va y avoir une enquête ouverte sur qui, là ? Bah, sur des Russes, 5 Russes. D'accord. Et forcément, ils vont te reposer des questions. Voilà. Et rappelez-vous, Jameson s'était déjà fait kidnapper pour avoir posté un article. Ouais, je me souviens, ouais. Vas-y, viens. Plus cher pour radio. J'ai un mal de tête. Ouais, on l'a tous. T'as de jolies fesses. Bah, messieurs, direction hôtel. Bah, oui, bah, de toute façon, là, on n'a pas le choix. Un petit call-off, ça vous tente ? Non, mais c'est rapide, on peut. Allez, direction hôtel.